Il y a trois instances dans ça l'État pour trouver. Côté non. Premièrement, le ministre Ganou et le ministre Osnou, qui en avril, en plein confinement, finent trouver le GIS, le journal, le Facebook, finent présent dans ce chemin grenier, ensemble avec le ministre Ariram, et je tiens autour de eux, plus que 150 du monde, et nous appelons ça un unlawful assembly d'après Public Gathering Act, et nous appelons ça un breach of quarantine. Deuxièmement, en mai de cette année-là, le jour de la Eid, le ministre Tilak fin al-Koten Djimoun dans sa circonscription, fin faire un discours avec plus que 100 Djimoun musulmans qui peuvent célébrer la Eid, en violation de Quarantine Act, en violation Public Gathering Act. Avant-hier, le premier ministre Pravin Kumar Jagnat, qui est le commissaire de police, même final, joint là, c'est mon conseiller, comme un ami. Vous m'y arrêtez, joint Ndjimoun, t'as chaud, vous arrêtez premier ministre là-même. Qui m'a dit ça? Vous pas embarrasse commissaire, dans l'intérêt de la police. Il n'est nécessaire qu'il n'y ait aucune relation incestueuse avec le premier ministre. C'est bon ça. Qui m'a dit ça là? Premier ministre final de l'aéroport. Dans l'aéroport, les fins déboutent là-bas pour recevoir vaccin Sinopharm. 11h30. Avec plus que 20 à 25 du monde autour de l'île au MBC TV. Pour interviewer les Pénamas. Je vais mettre dans sa lettre là les photos qui montrent le ministre Ganou, Osnou, Ariram, qui peut violer la loi potentiellement, mais personne ne va considérer qu'il est nécessaire à intercepter les autres et questionner les autres. Numéro 2. Je vais mettre là-dedans le ministre Tilak sur photo. Quand lit clairement, ça fait une circuler le tout bon réseau. Mais la police n'a pas trouvé nécessaire pour l'intercepter. Ban là. Troisièmement, je vais montrer photo. Le premier ministre avec son conseiller, avec son close associates, qui peut débout, peut donner une interview dans l'aéroport, en présence tous les trois événements de la police. Et la police n'a pas trouvé nécessaire, ni le CID de M. Djangui, ni M. Kokil, qui est le défenseur du gouvernement. Maintenant, moi, je peux dire, le droit d'un citoyen, c'est qu'il a dans l'être là. C'est d'attendre que la force policière lui traite tout du monde de façon égale et qu'il n'y pas fait différenciation spéciale pour ben du monde qui appartenait au gouvernement. Dernière affaire qui m'a fini de faire, je checker dans la loi, il n'y a aucune section qui dit there is an exception to the Quarantine Act and regulations and the Public Gathering Act for members belonging to the executive or close to Mr. Pravin Kumar Jagnat because he is the emperor of the land. Peina sa section dans la section de la loi, ça. Okay, okay. Ça veut dire, okay, à cause de cela, constitutionnellement, nous attendons que le commissaire de police joigne nous pour discuter en nous comment pour capable dispel sa perception de parti pris là, parce qu'il nous espérait que sa parti pris là, sa perception là n'est pas réalité. Alors nous attendons qu'il joigne nous en tant qu'avocat, Zodi même. Sinon, et entre temps, dernières affaires. Je fais une cause avec un policier qui filme une guette moi. Puis il vient dire à moi, que moi, Sakil Mohamed, avocat, avec presque 30 bonnes années d'expérience au barreau, peine à droit représente qui que ce soit dans ces affaires-là, parce qu'il est pour bizarre moi ici pour l'enquête. Laisse-moi dire les clair, encore une fois, ou passe message commissaire de police. Okay, ce bien. N'est pas le rôle de la police de venir me dire à moi, ou aucun collègue, mon bon avocat, qui s'en là capable représente qui s'en là. Ce n'est pas la police qui choisit qui est l'avocat. C'est mon client qui choisit, et je suis là de droit. Moi, j'ai le droit d'être là et pas la police qui peut dicter moi. Maintenant, une dernière affaire, avec vos permissions, je vous recommande d'arrêter Alguer Pravin Jagna.